Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur l'automatisation et l'industrialisation de vos opérations juridiques. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder l'augmentation de capital et le transfert de siège social. Dans le dossier permanent de la société Céléo, je crée une nouvelle opération de délibération des associés qui me permet d'effectuer à la fois une augmentation de capital et un transfert de siège social via une assemblée générale mixte. Nous allons d'abord choisir l'exercice comptable de l'année 2021, puis les documents concernés en commençant par les modèles spécifiques nécessaires à l'opération d'augmentation de capital social en numéraire, ensuite ceux nécessaires au transfert de siège social, et enfin les documents communs aux deux opérations. Le questionnaire juridique s'ouvre alors et nous propose l'ensemble des questions dont les réponses iront alimenter les documents nécessaires à nos opérations d'augmentation de capital et de transfert de siège social. Ici, on renseigne la date, l'heure et le lieu de l'AG, l'adresse du nouveau siège social, la date d'effet du transfert, le montant de l'augmentation de capital, le nombre de parts nouvellement émises, etc. L'opération d'augmentation de capital ayant une incidence sur les parts, on peut préparer, dans le dossier permanent, les mouvements de titres qui seront validés une fois l'Assemblée générale tenue. Dans le registre de mouvement de titres, on procède à l'augmentation de capital décidée par les associés. Le premier d'entre eux acquiert 25 parts supplémentaires. Les ordres de mouvement relatifs aux trois autres souscriptions du capital ont déjà été préparés. Je n'ai plus qu'à les confirmer. Dans la fiche société, on constate que le nombre de parts est passé de 1000 à 1100. Il nous reste simplement à ajuster le montant du capital et l'adresse du siège social. Nous avons procédé à l'augmentation de capital et de transfert de siège social pour notre société Céléo. Rendez-vous très prochainement pour une quatrième vidéo qui abordera la cession des droits particuliers et le registre des mouvements de titres.